Et salut tout le monde, c'est Snoopy78 et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de mon let's play de Boku Rano Daibouken 3 sur PC. Et les amis, on s'approche de la fin. Entendez cette musique intense du dernier stage du jeu, le stage 25 qui correspond au dernier étage de la forteresse de la Société de la Paix. Qu'on est sur le point, en tout cas je l'espère, d'anéantir une bonne fois pour toutes. Ils nous ont causé tellement de problèmes depuis le début de l'aventure. Des apparitions de monstres un peu partout, d'abord à Crystal City, puis sur le continent. Leurs attaques contre nos villes. Tout ça pour sacrifier des vies humaines, pour renforcer leur technologie. Soi-disant, dans le but au final d'éliminer toute menace à la paix dans le monde. Mais pour l'instant, la menace, ce qui constitue une menace à la paix, c'est plutôt eux. Et on va leur donner une bonne leçon. Nous en sommes donc au stage 25. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait détruit le système de lanceur qui permettait de convertir l'énergie vitale, la bioénergie, en monstre pour fabriquer des monstres. Et on a appris dans une cinématique que la quantité de bioénergie n'allait plus pouvoir être contrôlée et risquait de déborder et de tout faire péter. Donc voilà, niveau... En termes du scénario, c'est là qu'on en est. Et nous, on avait commencé à explorer le dernier étage et nous sommes arrêtés ici. 25 à 3. Traduction 25 à 3, le cinquième étage, près de la dernière salle. Près de la dernière salle, donc près de la fin de l'aventure. Près, enfin c'est... Faut le dire vite parce que le niveau qu'on va faire est tellement long qu'on est loin d'être prêt en fait. Et on va démarrer tout de suite. C'est un niveau, donc le 25.3. Qui est difficile, c'est le plus compliqué du jeu, il y a beaucoup de choses à montrer et on va démarrer tout de suite. Première salle. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Une salle avec trois seigneurs dragons. Alors, je vais juste vous montrer un truc. Chaussures de saut. J'ai trouvé ça au hasard hier. Triple yo-yo. Si vous vous souvenez, traduction des... pour équiper les armes. Vous aviez dans le menu avec tab carried weapon. Qui permettait d'équiper les armes au slot 1 et 2. Et ben en fait, il n'y a pas besoin de passer par ce menu. Casse triple yo-yo, casse exp. Je vais vous montrer. Triple yo-yo, omega chien whip, 1, megaton amé, 1, traduction. Marteau megaton, 1. Regardez, vous êtes sur vous allez avec W dans votre liste d'armes. Et quand par exemple, si vous voulez mettre le marteau megaton dans la première main, vous appuyez sur 1. Prêt à l'arme carrière 1. Voilà. Hop. Voilà. Traduction des actes whip, 1. Et imaginons, qu'est-ce que je vais mettre dans la. Casse explosif, front power 1. Triple yo-yo, omega tien whip, omega ton amé, 1, tien whip, omega triple yo-yo, omega shoot, plasma machine soft, point machine agune, 1, bah disons ça, c'est au carré weapon 2. Voilà, weapon 2. Et donc, voilà, c'est un raccourci qui peut faire gagner pas mal de temps. Casse triple yo-yo, omega ton amé. Bon là pour les 3 dragons. Alors je précise, cette salle avec les 3 dragons n'est pas obligé de les tuer, je peux très bien courir aller à la salle qui se trouve à droite, mais... Voilà, on va quand même se les faire. Avec le marteau Megaton, ça peut se passer assez bien. Bon là il m'envoie sa foudre, ça si ça touche je suis paralysé mais de toute façon j'ai de quoi me... Voilà. Voilà, un de moins. Combat lourd, maintenant, 2676 expérience, vous avez 2676 XP quand même, la bébête. Là, il y en a 3, ça va faire en tout un total de 7500 à peu près, un peu plus d'XP. J'ai pas envie de m'asseoir dessus, personnellement. Hop. Suivant. Tiens, prends ça. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Ah, raté. Alors je précise, le marteau mégaton. Ah, j'ai encore raté. Mais non, c'est parce que j'ai pas été assez rapide. Mais... Voilà, c'est bon, on l'a eu. Il a une portée à la verticale qui est vraiment très bonne. Même là, ils étaient à hauteur 5. Si j'avais tapé au bon moment, j'aurais pu les toucher.
Ah oui. Submenu, status. Une petite précision par rapport à la dernière fois, une rectification. Est-ce que vous vous souvenez dans la salle où il y avait les slimes dans le 25.1, où il y avait des slimes une fois détruites qui produisaient des bombes qui généraient des boules de feu, la salle où il y avait le coffre à protéger. Alors moi, la technique que j'ai faite, je les ai emmenés tout à gauche, je me suis éloigné pour les dégommer. Il y a une autre possibilité. Si vous avez des armes assez puissantes, ce qu'il faut faire, c'est les détruire avant qu'elles se multiplient. Et à ce moment-là, elles ne laisseront pas de bombes. Voilà, si vous arrivez à les tuer rapidement avant qu'elles se divisent en plusieurs, il n'y aura pas de bombes quand vous les tuez. Hop. On récupère un petit peu d'endurance en marchant tranquillement. Donc là, avec ces trois monstres, là, je viens de récolter pas loin de 8000 XP. Hein. Ça vaut quand même le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, je suis à hauteur 50. Alors là, on a un premier ascenseur qui descend. Objet info, putting la date 10, lift à 10, petit total. Putting la date 10, 0, traduction. Putting la date 10, 0, HP, 100%, level 90. Alors, une blade à hauteur 10. Putting la date 10, 100, HP, 100%, level 90. Une à hauteur 100, ça nous intéresse pas. Soulevé à 10, 13, bannière 1. Et c'est ça plutôt. Lift à 10, 13, 1. Un ascenseur qui se trouve à 10. Et justement, celui-là, il faut pas le prendre, il faut sauter par-dessus. Parce que sinon, il va vous emmener en bas, il va vous coincer au niveau des lames. Donc c'est un piège. Ne surtout pas prendre ce premier ascenseur. Donc voilà, vous sautez par-dessus. 12, 50. On est à hauteur 50. 14, 30. Voilà, donc là il y en a un autre, je suis resté sur place, il y en a un autre qui m'a pris. Là je suis descendu en dessous à hauteur 30, il n'y a rien de spécial, donc maintenant. Objet info, lame cristal à 15,45. À hauteur 45, un petit peu en dessous de la plateforme à 50 GT tout à l'heure, il y a plusieurs objets. Switch lift à lame cristal à 15,45. Recovery ring à 15,45. Lame cristal à lame cristal. Bleal light à 18. Voilà, plusieurs objets de soins, dont un truc assez intéressant, le recovery ring. Traduction. Cristal anneau de récupération à 15,45. Traduction désactivée. Voilà, cet anneau de récupération, si vous le possédez. Il va vous permettre de revivre exactement à l'endroit où vous êtes mort instantanément. Si jamais je meurs pendant le niveau. Ce qui peut être intéressant, on va essayer de l'avoir. 15, 30. Alors pour ici, pour ce faire, je vais me mettre à hauteur 21, 30. À hauteur 20, à 23. Voilà. Et il y a un autre ascenseur qui peut m'emmener ici. 18, 45. Là je suis à hauteur 45. Donc, il est à 23 si jamais. Il y en a aussi un autre ascenseur à 12 qui peut vous ramener ici, à la longueur 12, pardon. Objet info, lift at switch at 12, lift at 12, lift at 20, lift at switch at 30, putting, putting, lift at 30, putting, blade at, putting, blade at 30. Voilà, ça j'ai tout pris, donc voilà. 17, 45. Bah non. Je vais attendre l'ascenseur qui est à droite. Et je vais monter jusqu'en 50, où il y a des switches activés. Voilà. Il y en a un à droite et un à gauche. On va commencer par celui de droite. Objet info. Alors je vais vous montrer un truc. Door at 5, putting blade at 36 000. Door. C'est pas ça qui me... Lift at 35, 0 range, 3 not operating. À 35, donc tout à droite à peu près, pas totalement tout à droite, mais pas loin du bout du niveau. Pas de la salle, pardon. Vous avez un ascenseur qui pour le moment n'est pas actif. Et maintenant, j'ai apprécié ce switch. Door at 5, putting blade at 30, putting blade at 30, lift at 35, 10. Voilà, j'ai activé l'ascenseur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est reprendre... Mince, bon, tant pis, c'est pas grave, on va attendre qu'il remonte. Et vous allez comprendre pourquoi. Attends, d'abord, je vais vous montrer cet ascenseur, ce qu'il fait. Bon, là, il y a des lames qui sont loin au-dessus, mais on s'en occupe pas pour l'instant. En fait, cet ascenseur, il part de là. Vous allez voir. Voilà, il vient ici. Et en fait, il fait tout le trajet, toute la hauteur de la salle. Submenu. Il fait toute la hauteur de la salle et c'est celui qui nous permet de descendre tout en bas à droite pour accéder à la porte. Qui est tout en bas à droite. Alors par contre, il faut faire bien attention à pas le prendre quand il monte, mais bien quand il descend, parce que sinon, il va vous emmener dans les lames qui sont là-haut. Et vous allez vous faire toucher. De toute façon, c'est pas ici qu'on le prendra. C'est pas à cet étage-là qu'on va le prendre, l'ascenseur. Bon, là, on va prendre l'ascenseur qui nous permet d'aller à gauche. Et on va enclencher le dernier switch. Et vous allez comprendre ce qui va se passer, pourquoi je voulais l'enclencher en dernier. Voilà, les missiles.
Et nous. 22, 99, 22, 88, 22, 80, 22, 70, 25, 50. Là, je suis à hauteur 50. Et c'est assez là qu'on va le prendre l'ascenseur. Oups. C'est pas grave. Bon, normalement, j'étais censé prendre l'ascenseur, mais là, ça marche aussi, c'est pas grave. Vous pouvez aussi vous laisser tomber dans le vide. Je sais pas si c'est un bug, mais ça marche. Submenu. Donc, pourquoi j'ai choisi de vouloir prendre l'ascenseur en 50, même si je l'ai raté? Si vous l'aviez remarqué, sur la plateforme qui est à 50, les missiles, ils venaient de la gauche. Alors que tout en haut, ils venaient de la droite. Si j'étais allé tout au bout à droite pour prendre l'ascenseur, ça aurait été beaucoup plus dur de les éviter parce qu'ils auraient commencé à popper tout de suite à côté de moi. C'est pour ça que c'est dangereux, ça aurait été très dangereux d'aller choper l'ascenseur en haut à droite. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici? Un insecte. Bim, coup de marteau. Donc ça ne nous posera pas trop de problèmes. Ah mince, il m'a paralysé. Item list, remote medicine recovery 2. Voilà, merci. C'est pas grave, combien je suis? 2245/3670. Bon, on va se prendre un petit soin quand même. Item list, prise mushroom, energy drink, 3 piece of light, 571, recovery. Magic Big Piece of Light, 314, recovery. Oh, c'est bon, tout ce qu'il faut. Voilà, on s'en charge à fond. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, un couloir. Et dans ce couloir, avec des lames tout le long. Et la porte tout là-bas. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Bon, je vais mettre dans le menu parce que sinon ça va faire du bruit. Vous n'allez pas bien entendre ce que je vais dire. Enfin, si, mais ça va vous casser les pieds. Vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de jouer le jeu et vous essayez de bien localiser où sont les lames pour les éviter. Sinon, j'ai déjà vu faire un let's play et puis vous utilisez des potions de défense pour augmenter votre défense et associer à une potion de rapidité pour rusher comme un gros porc jusqu'à l'autre bout de la salle. Et normalement ça marche aussi. Alors nous, ce qu'on va faire pour ce let's play, ça me paraît plus intéressant d'essayer de vous montrer quoi, plutôt comment éviter les lames, où elles sont placées, qu'on essaye de jouer le jeu. Mais voilà, si vous avez envie d'utiliser l'autre technique, vous privez pas, il n'y a pas de scrupules. Je veux dire, là, c'est pas un cheat code. Les potions de défense et de rapidité sont clairement disponibles en magasin pour qu'on les utilise. Vous gênez pas. Voilà. Mais moi, pour le let's play, on va faire la première méthode. Objectif total objet cutting blade 5 4 HP 100% level. Alors j'en ai une à 5. Cutting blade 8 4 HP 100% level 90. Cutting blade 10 4 HP 100% cutting blade 17 4 HP. Voilà. Cutting voilà pour la première série. Cutting blade 5 4 HP 100% level 90. 5. 1 0 4 0 7 0. Voilà, donc ça c'est évité. Objectif. Ensuite, cutting blade 17 4 HP 100% level cutting blade 17 15 0. 15, 0. Ah, il y en a une à 17 encore. Voilà, c'est bon. La première série, c'est évité. Objectif. Ensuite, cutting blade 18, cutting blade 34 HP 100% level, cutting blade 35 4 HP, cutting blade 34 HP 100% level 4, cutting blade 34 HP 100%, cutting blade 35 4 HP 100% level 90. Alors 4, c'est sa hauteur. Elles sont hauteur, mais comme elles vont vers le bas, elles tombent vers le bas, c'est pour ça qu'elles nous tapent. Cutting blade 34 HP 100% level. Donc il y en a une à 30. Cutting blade 35 4 HP, cutting blade 38 4 HP, cutting blade 51 4. Voilà les 3 prochaines. 34 HP 100% level 24 27 0. Ah, elles vont plus vite, attention. Voilà. 31, 0. Objet info, cutting blade 35, 4 HP, 100%. 35, cutting blade 38, 4 HP, 38. 31, 0. 32, 0. 33, 0. 34, 0. Voilà. 36, 0. Objet info, cutting blade 35, 4 HP, cutting blade 38, 4 HP, 100%. Objet info, cutting blade 51, 4. Voilà. Ok, ça c'est bon.
Les suivantes. Objectif sur Cutting Blade. Cutting Blade. Cutting Blade 51 4 HP. 51. Cutting Blade 52 4 HP. 52. Cutting Blade 51 4. Cutting Blade 52 4 HP. Cutting Blade 53 4 HP. 100% level 90. Cutting Blade 54 4 HP. 100% level 80. Cutting Blade 55 4 HP. 100% level 80. Cutting Blade 71 4 HP. Cutting Blade. Cutting Blade 50. Cutting Blade 53. Cutting Blade 50. Cutting Blade. Là, il y en a 5. Cutting Blade 51 4. 45. Alors, Cutting Blade 51 4 HP, 100% les Cutting Blade 51 4. 48, 0, 48. 49, 0. 50, 0. Alors, comme vous voyez, là il y en a 5 d'affilée, mais elles vont très lentement. Et en partant au bon moment, on va voir si on peut essayer de les éviter. Bah, visiblement non. Pas grave. Hop. 3145 à 3670. Ça m'a pas pris beaucoup. Alors. Celle-ci. Objet info, cutting blade 71 4 HP, 100% 71. Cutting blade 77 4 HP, cutting blade 71 4 HP. Bon, c'est celle 71 là qui va m'intéresser. 68, 0. Ouais, ça, quand elles vont vite, c'est dur à éviter, hein. 2600 On a de quoi se soigner, y'a pas de problème. Cutting Blade 71 4 HP, Cutting Blade 77 4 HP, Cutting Blade 71 4 HP, Cutting Blade 77, Cutting Blade 94, Cutting Blade 77, 76, 0. Pas grave. 2095 barres oblique, 3600. Objet info, Cutting Blade 94 HP, 100%. Voilà, quand elles vont vite comme ça, c'est super chaud. 87, 0. C'est alors là, faut avoir un calcage de fou. Non, même pas. Bon. 1570 barres oblique, 3670. Bon bah j'ai fait ce que j'ai pu, tant pis. Item list. Remote Medic, Freeze Ball, on va. Energy Drink, Piece of Light, Magic Potion, Big Piece of Large, Big Piece of Light, 313, Recover 2000, Magic, Big Piece of Light, 313, Recover... On va faire ça. 1570 barres oblique, 3670 barres oblique, 3670. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va s'équiper? Oui, bon, casse exprès, le yo-yo, gâteau, un pion, omégage, plasma, mèche, soft, hyper, snipé, point, cutter, super, juste, un jump, super, juste, herbe, là. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Info. Qu'est-ce que c'est que ça? Mudkiller atteint 5 HP. Un Mudkiller! Voilà pourquoi j'ai équipé la lame Buster. On va le défoncer de la même. Voilà, j'ai défoncé ses murs, j'ai pu passer. Où est-ce que tu te caches? Viens de battre. On va le battre. Et voilà, de la même manière que la dernière fois. Donc vous restez placé sur la même case que lui. Et vous bourrinez la lame Buster. Tu vas crever, oui. Voilà. Snappy se fait perdre. Et il vous drop également un morceau de papier. 3197 barre oblique 3670. Ouais, ça mérite un petit Red Bull, ça je pense. Item list, mushroom, energy drink, 3. Voilà, j'utilise mes derniers trucs qui rapportent pas beaucoup de vie. Voilà, on récupère la canette vite. Alors, ce papier il est où? Connexion 8,2. Traduction activée. Sonar compact, 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Sonar compact. Lift sensé, 1, cela. Petit morceau de papier 2, 1, un petit voilà. Lift sonar compact, 2. C'est quoi ce 2 là qui est ici? Sonar, lift, petit morceau de papier 2, très un, bizarre, un petit on, morceau on de... s'en fout. Alors. 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 4 y est inscrit. Un code assez compliqué, alors ce que je vous propose. On en aura besoin plus tard, on va faire ça, on va. Hop, avec Species Story, le copier. Sans titre, bloc-notes. Et on va le mettre dans un fichier bloc-notes. Codé, 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 4 y est inscrit. Histoire qu'on gagne du temps tout à l'heure quand on aura besoin. Bocurano des 6, 3, 2, traduction désactivée. Du coup, je vais rééquiper mon marteau.
Alors, la salle d'après. Qu'est-ce qu'on va voir? Probablement... Donc... Object info, cutting, blad at 5000, cutting, blad at 6000, HP 100, cutting, blad at 7000, cutting, blad at 7000, lift at 7, cutting, lift at 7,92,5. Donc il s'est barré, j'ai raté l'ascenseur, c'est pas grave. Cutting, blad at 9000, donc vous voyez, il y a plein de à hauteurs différentes. Et voilà, la porte, elle est à... Elle est à hauteur 980, largeur 14, donc... Ce qu'il faut faire dans ce niveau, alors on est dans une salle qui est très courte, qui est très étroite, mais par contre qui est très haute, qui fait 1000 de hauteur. Il y a un ascenseur à arriver en haut pour atteindre la porte qui est à peu près à hauteur 980 comme vous l'avez vu, sauf que sur le trajet de l'ascenseur, on a plein de lames qui sont disposées à différents endroits, et il va falloir se placer dans l'ascenseur qui fait à peu près je crois 3-4 cases de large, de sorte à éviter les lames. Alors pareil, comme pour le couloir d'avant, vous pouvez vous blinder de potions de défense et puis vous soigner au fur et à mesure si vous voulez, prenez. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse pour le let's play, pareil, qu'on analyse bien où elles sont placées pour essayer de les éviter de manière propre. Alors ce qu'on va faire par contre, comme la salle elle est très longue, elle fait 1000 de hauteur, là on a loupé l'ascenseur, faut le temps qu'il revienne. Je vais vous faire une petite ellipse, le temps que l'ascenseur soit à nouveau là. Et je vous reprends tout de suite dès que c'est bon. A tout de suite. Les amis, nous sommes dans l'ascenseur. Alors, nous sommes dans l'ascenseur. Cutting blad at 6830 HP 100% level 4. Cutting blad at 6500 HP 100% cutting blad at 6830 HP 100%. Alors, cutting blad at 6830 HP. Cutting blad at lift at 7,34. Cutting blad at lift at 7,34,5. Nous, on est en 7. 6, 35. On est en 6. Object info, cutting blad at 6830 HP. On est en 6, donc. Cutting blad at 6830 HP 100% level 90. 6, pardon. Voilà, c'est bon, en 7. Alors pour les premières, vous mettez en 7. Ensuite. Là, on est en 135. Alors, les suivantes. Cutting blad at 7820 HP 100% level 90, lift at 730. Là je suis en 7, voilà. Alors. Cutting blad at 7820 HP 100% level. Cutting blad at 7750 HP, cutting lift at 735. Je suis à 135. Cutting blad at 7000 HP 100%, cutting blad at 7350 HP 100% level 90. La prochaine c'est à 350, la prochaine lame. 153. Ensuite. Cutting blad at 7000 HP 100% level 90. Lift cutting blad at 7000 HP 100% level 90. Lift at 789,5. Et là on commence à être à 189. Cutting blad lift at 700. On va encore rester un peu en 7. Object info. Lift at 7239,5. Alors. Cutting blad at lift at 7239,5. Ça va, France.
Object info, mini stat 7 de Sputting Blad at 7, Sputting Blad at 8000 HP 100%, Sputting Blad at 8810 HP, Sputting Blad at 8000, Sputting Blad at 9200, Sputting Blad at 9, Sputting Blad lift at 7 de 163.5. Par contre, on va bientôt faire bouger parce que... Sputting Blad at 5210, Sputting Blad at 7750 HP 100% level 4. 7, 287, 7, 396, 7, 300. Là par contre on va bouger, alors. Ça d'accord, ensuite. Donc là il y en a une qui va nous gêner en 8, va falloir qu'on... En 7, va falloir qu'on bouge, qu'on se décale. Alors. 8, qu'est-ce qu'on a 8 810, 600. C'est bon, on peut aller en 8. 9400 HP 100% level 90. Non, ça c'est 430, mais c'est bon, on est à côté. Ensuite. Putting blad at 9300 HP 100% level 90. Ça d'accord. Putting blad at 7820 HP 100% level 90. 7 450 HP 100% level 90. Putting Blad at 6000 HP 100% level 90. Putting Blad at 7750 HP 7 570 7 580 7 595. Donc là c'est bon. 7 618. Object info. Là on va peut-être commencer à bouger par contre. Level 80. Object info. Putting Blad at 7000. Putting lift at 7 638 5. Donc là il est à 638. Donc si vous vous souvenez, au début il a fallu qu'on se déplace sur 7. Placer. Après avoir placé les premières. Jusqu'on peut, vous pouvez donc rester en position 7 jusqu'à peu près 300. Après, vous vous mettez à 8. Et quand on s'approche des 500, à nouveau, vous vous remettez à 7. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors. Putting lift at 7 638 5. Donc là, faut vraiment prendre notre temps. Putting lift at 7 638 5. Putting lift at 7 638 5. Ensuite. Putting blad at 7000. Lift at 7 638 5. Putting blad at 7000 HP 100% level. Putting blad at 7820 HP 100%. Putting blad at 7750 HP 100%. Putting lift at 7 638 5. Putting blad at 7 750 HP 100% level 90. Object info, putting blad at 7000 HP 100% level 90. Lift at 7 665. Putting blad at 7820 HP 100%. Putting blad at 7750 HP. Lift at 7 665. Putting blad at 7000 HP. Putting blad at 7350 HP 100% level 90. Putting blad at 8000 HP 100%. Putting blad at 8810 HP 100% level 90. Putting blad at 8660 HP 100%. Putting blad at 8660 HP 100% level 90. C'est bon, ça on a passé. Putting blad at 8660 HP 100%. Putting blad at 8660. Ça revient juste de la passer. Putting blad lift at 7665. Voilà, après retourner en 8. 7 690. 7 725. Ensuite. Putting blad at 7. Lift at 7 733 5.
Ok, là, nous on est retourné en 8. Cutting blade at 7000 HP, cutting blade at 7000, cutting blade at 8000 HP, 100% level 90, cutting blade at 8810 HP, 100% level 90, cutting blade at 8660 HP, 100% cutting blade at 8660 HP, 100% cutting blade at 8660 HP, 100% level 90, cutting blade at 8500 HP, 100% level cutting blade at 8000, cutting blade at 8100 HP, 100% blade at cutting blade at 7000 HP, 100% level cutting blade at 7350 HP, 100% cutting lift at 7733, cutting blade at 7305, cutting blade at 8000 HP, 100% level 4, cutting blade at 8810 HP, 100% level 4. Jusqu'à 810 à peu près. 735. Oups. Laquelle je me suis pris là? Ouais. Ah, j'ai merdé quelque part. Lift, cutting blade at 7820 HP, 100 lift, cutting blade at 7820 HP, 100 cutting blade at 7750 HP, 100 cutting blade lift at 7775. Cutting lift at 7775. Lift at 7775. 700 objet info, cutting blade at 7000 HP. Ah, mais je savais que j'étais. Ah non, je suis bête. Je me suis retourné, mais j'ai pas avancé. Objet info, cutting blade at 7000 HP, 100% level lift at 7799.5. Lift at cutting blade at 7820 HP, 100% level cutting blade at 7820 HP, 100% level lift at 7799.5. Cutting blade at 7820 HP, 100% level 90. Lift at cutting blade at 7000 HP, 100% lift at 7799.5. Cutting blade at 7000 HP, 100% level 90. Lift cutting blade at 7000 HP, 100% level 90. Lift at 7799.5. La prochaine. Lift at 7799.5. 799. Cutting blade at 7000 HP, 100% level 90. Cutting blade at 7350 HP, 100% level 90. Donc j'aurais bien dû aller en 8, mais le problème c'est que je me suis retourné et que j'ai pas avancé en fait. J'ai été resté en 7. C'est pour ça que je me suis pris la lame. Cutting blade at 7350 HP, 100% level 90. Cutting blade at 7350 HP, 100% level 90. Lift at 7799.5. Donc la prochaine, elle est ouf. Cutting blade lift at 7799.5. Et la prochaine. Cutting blade at 7820 HP, 100% 820, ouais, faut que je bouge. Lift cutting blade at 7000 HP, 100% cutting blade at 7000, cutting blade à 8000 HP, 100%, cutting blade à 8810 HP, 100% level 90. Bon, faudrait que j'essaye de placer. Alors, il y en a une qui a 810, qui est en hauteur de 8, qui a 810, et l'autre. Cutting blade à 7000 HP, 100%, cutting blade à 7350 HP, cutting blade à 8000 HP, 100%, cutting lift à 7000, cutting blade à 7820 HP, 100%. 820, c'est-à-dire que dès que celle de droite sera passée, celle qui est en 8 sera passée, faudra tout de suite que je me mette en 8 avant de me faire toucher par l'autre. Ce qui va pas être simple. Item list, prise mushroom, energy drink, 2, recover 500 HP. Piece of life, 560 magic potion, big piece of life. 858. Bon, c'était un peu compliqué. 8909. Objet info, cutting blade à 8500 HP, 100% level 90, cutting blade à 9000 HP, 100% cutting blade à 9270 HP, 100% level, cutting blade à 9660 HP, cutting blade à 9800 HP, 100% level 90, cutting blade à 9980 HP, 100% level 90, cutting blade à 9980 HP, cutting blade à 9590 HP, 100% d'or à 4, cutting blade à 9500, cutting blade à 9980 HP, 100% level 90. Cutting blade à 9980 HP. Bon là théoriquement celle que dès qu'il y en a une qui est 980 à hauteur de la porte, dès qu'elle est passée, faut que je me précipite à droite. Cutting blade à 9270 HP, cutting blade à 9000 HP, 100% cutting blade à 9430 HP, 100% cutting blade à 8000, cutting blade à 9430 HP, 100% level 90. 8933. 8955. Voilà. Bon, ça s'est pas passé partout comme je le voulais, tant pis. Heureusement que j'avais beaucoup d'HP. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Objet total, bullet à 61 bullet à 60 mètres, hélicoptère à 79. Un hélicoptère, comme pour le 23. Bon, on va te remettre une branlée, on l'a déjà fait, c'est pas un problème. Ah, ça enfuit comme un lâche. Sonar. Et j'avais même pas activé mon sonar, ce qui est magnifique. Boum. Objet un total objet fuité hélicoptère à 23 29 HP 87% level. Tiens, ça t'apprendra pour commencer. Top! Big Limbo, Skao Nuke, super, super, Shuriken 8, super, Speed Ring 320.
pas hésiter à utiliser les speed drink. Boum. Hop. C'est qu'il est. Spectrical item list. Big top super super jury quantitone super speed drink 3. Raté. Vas-y, pose-toi, je t'en colle une. J'en ai où là ? Quitter hélicoptère à 25 100 HP, 50% level 90. 50%. Oula, il va vers moi. Big Link Kaon, super speed, super, super speed, drink 319 max. Run. /3670. Par contre, ce qu'on va faire. Mushroom, Energy Drink, 2 Piece of Light, 571, Magic Potion, 7, Big Piece of Large, 6 et Magic Potion, Light Crystal, on va faire. Blue et Alla Recovery Drink, Stamina Drink, Mega Stamina Drink, Giga Stamina Fresh Drink, 305. On va prendre ça. 1900 anti-corps. Et on va aussi faire ça. Mushroom, Energy Drink, Piece of Light, Magic, Big Piece of Light, 300. Allez! Il a plus rester grand chose là! Total, fité hélicoptère 3100 HP 25% libre! 25%! Et il m'a rapporté combien le mode killer, j'ai même pas regardé. 10 080 damage au fité hélicoptère, sbuche, fité hélicoptère, sbuche, 10 080, area change aid. Cutting blood smash, cutting blood smash, petit, area 1186 expérience gain aid. De fait aid nu killer et area 1186. Pas mal! On a même pas besoin d'utiliser de rapidité. Allez, pose-toi. Allez. Ah, il vient vers moi. Non. Big Kaon U 80, super speed drink, Kaon, super speed drink, 318 max, run vers... Bon, ça va. Vas-y, pose-toi. Ah, merde. 1770 barres oblique, 3650 points. Item list, new energy drink, 2, piece of light, 560... Que la salle elle est beaucoup plus petite que dans le 23.4, ce qui facilite pas forcément les choses. Vas-y, reviens vers moi, ça me saoule. Tactical item list, limbo, big limbo 5 stuka onu 80, super speed, super super speed drink 310. Pas de bol. Voilà. Bon, c'était pas terrible. Coulbal 1270. 970 barres, 3660. Item list, remote medic, la fresh, giga stamina, mega stamina, stamina drink, recovery ring, 1, blue et allight, on est le nom, 29, recover, blue et allight, 3, continuously recover HP. Bon, ça c'est ce qu'on sait, ça rend lâchement connu, on a ramassé ça sur l'endroit où il y avait les... Piece of light, magic potion, big piece of light. Voilà, hop. 3470 barres oblique, 3670.
Idealist, Mushroom, Prismo, Mushroom. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, ici, on est bloqué par des murs. Et on a un écran. Je crois que c'est ça, ouais. Let's try it anyway. C'est encore les boîtes avec des pavés numériques pour faire des suites de chiffres. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe si on se plante? 1, 2, 3, 4. Bon là, cette fois-ci, je me suis pas planté, c'était simple. Hop, ce qui débloque. Ça enlève le mur. The box with Anapa. Let's try it anew. 1 million 2. 1 million 2. 2 millions 4. 2 millions 4. 4 millions 8. Donc 8 millions 16, mais c'est... je suis pas assez rapide. The box didn't open. Et vous avez un stamina killer qui arrive. Ah, yeah. Si ça peut en embêter certains, pour moi, c'est l'occasion d'avoir un objet. Object piece of light at 12-0. Voilà, hop. Donc 8 millions 16, c'est ça. 1 million 2, 4 millions 4, ouais, c'est ça. The box with Anapa. Let's try it anyway. 8, 0. Ok, pas se planter. Tac, 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 tac. 8, 1, 2, 3, 4. Ça doit être ça normalement. 1 million 2. 2 millions 4. 4 millions 8. The box with Anapa. The box with Anapa. 1 million 2. 2 millions 4. 4 millions 8. The box with Anapa. Oh! The box with Anapa. Let the box with Anapa. Let's try it anyway. Donc 8 millions 16. 4 0. 8. 1 million 2. 1 million 2. 2 millions 4. 4 millions 8. The box. Bon, attends, je vais dégager tout ça. De box, 1 million 2. 1 million 2. 2 millions 4. 4 millions 8. D'accord, de 4 millions 8. Donc théoriquement, c'est fait 8 millions 16. De box, 8. 1 million 2. 2 millions 4. 4 millions 8. De box, didn't open. De box, 8 Anapa. Let's try it anyway. 1 million 2. 2 millions 4. 4 millions 8. The box didn't open. 1 million 2. 2 millions 4. 4 millions 8. The box with Anapa. Let's try it anyway. 1 million. 2 millions 4. 4 millions 8. Voilà, pas trop tôt. Voilà, merci bien. 3470 bar oblique 3670. Voilà, chaque fois que vous ratez le numéro, il y a un stamina killer. Ah, il en restait encore un autre. Object total. Box with stamina killer. Box. Que t'es espèce de saloperie. Pardon. Ah, il est là-bas. Voilà. Object total, méga stamina. Voilà, on récupère le petit méga stamina qui va bien. On va peut-être en prendre un petit méga d'ailleurs.
Vitaliste, Energy Drink, Piece of Magic, Large 6, Big, Large Light, Critonel Long, Blue et Alut, Recovery Drink, Stamina Drink, Mega Stamina Drink, 45. Anticorps. De Box Witanapa. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? 100. 100. 300. 300. 700. 700. De Box Ding Topen. De Box Ding Topen. Donc 100. 300. Donc à chaque fois, on ajoute 200. Ensuite, de 300 à 700, on ajoute 400. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc après, je suppose qu'on a. Je crois que c'est 1200. On va réécouter. Box, 100. 100. 300. Donc ça rajoute 200. 700. Ça rajoute 400. Donc on va rajouter. Ça va être 1300, je pense. De Box. De Box Witanapa. 100. 300. 700. Non, c'est pas ça. De Box Ding Topen. De Box Ding Topen. De Box Witanapa. 100. 100. 300. 300, j'en rajoute 200. 700. Là, je rajoute. De Box Ding Topen. 400, 500, 600, 700, si ça rajoute 400. Donc à chaque fois c'est 200 en plus. De Box Witanapa. 100. 100. 300. 200. 700. Ah non, le double. Donc ça rajoute 400, à chaque fois c'est le double en fait. Donc c'est plutôt 800 qu'il faut rajouter alors. Ça sera donc 1500. 100. 300. 700. Voilà, merci. Bon, on va nettoyer tout ça. Ils sont où? Hop, il y en a encore un truc après. Bon, allez. Ça va 5 minutes. Objectif. Box Wheat Stap Dorat Stamina Killer at 91.0H 3170 bar oblique 3006 Ian List Mushroom Energy Piece of Light Saint Energy Drink Kit Magic Potion Big Piece of Light 3 large 6Z Magic Potion Light Crystal 100 large 6Z Magic Potion Light on Element 20 Blue et Light Recovery Ring Stamina Drink Mega Stamina Drink 44 Recover 3 Ça ira. C'est bon là. Combat 4000 damage to Piece of Light. Voilà, parfait, il est dégagé. De Box Witanapa. Celui-là. 3. 12. 12. 60. 60. De Box Ding Topen. Submenu. Donc 3, 12, 60. Donc 3. Multiplié par 4, ça fait 12. Multiplié par 5, 60. Multiplié par 6. 300. Non, attends. 60 x 6, si c'est ça, 300. 3 x 6. Non, je raconte n'importe quoi, on recommence. 12. Non, 3 x 4. 12 x 5. 60 x 6. 6 x 6. 36. Donc 360. Submenu, status. The Box Witanapa. Let's try it anyway. 3. 12. 60. Voilà, merci. On dirait que c'est le dernier. Ah, il est tout seul. J'allais me récupérer son objet. Objet Stamina Killer à 19.0H. Voilà. Mega Stamina Drink. Hop, et on va pas s'embêter. Life Fresh Drink. Voilà. Fresh Drink. Anticorps. Bon, désolé, hein. Passage un petit peu long. Thank you.
Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Warp panel à 12-24. Warp panel, ça se pense, ça m'intéresse pas tout de suite. Bon dépôt à 21-40 HP, 100% level 5, 50. Je peux faire 50. Total warp panel à 12-24. 12-24. Bon dépôt à 19-40 HP, 100%. Alors le bomber pot, vous vous souvenez, hein, c'est comme le boss du 9.4, là, c'est espèce de truc. Espèce de ballon qui est rempli de bombes. Alors. Bon dépôt à 19-40 HP, bon dépôt à 22-35 HP, 100% level 5. Bon dépôt à 19-40 HP, 40. Bon dépôt à 28-50 HP, 50. Et il y en a un à 50. Objet info, bon total, bon warp panel à 12-24, bon dépôt à 16-30 HP, bon dépôt à 17-40 HP, bon dépôt à 20-35 HP, 100% les bon dépôt à 20-45 HP, 100% métal ladère 30, métal ladère, métal ladère 43-40, métal ladère, métal ladère, bon dépôt à 2-50 HP, 74% les. Hop. Ce qui est embêtant, c'est que. Objet 15 fois, bon dépôt à 15-40 HP, bon dépôt à 19-30 HP, bon dépôt à 36-45 HP, métal ladder 30, métal ladder, bon dépôt à 40-50 HP, 23% level 50. C'est bon, il y a 23%, vas-y, reviens par là, tranquillement. Le problème, c'est qu'on entend ceux qui sont en dessous, et puis du coup. Alors, vous entendez à droite, il y a une échelle, mais il faut surtout pas. On peut pas la prendre tant qu'on n'a pas tué le bomber pot qui est ici. Objet 1, warp, bon dépôt à 13-45 HP, bon dépôt à 32-35 HP, 100 pour bon dépôt à 33-30 HP, bon dépôt à 36-40 HP, métal ladder, métal ladder, métal ladder, métal ladder, métal ladder, métal ladder, d'or à 59, total, bon dépôt à 5-50 HP. Ah bah il est là. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir prendre l'échelle. Alors, le suivant, il est où? Alors, ce qu'on va faire, je vais garder le yo-yo, le marteau. Le marteau dans la première main et je vais mettre le yo-yo dans la deuxième, le triple yo-yo. Là, je suis hauteur 50, donc. Je vais aller en 45. Dès qu'il se rapproche de moi, s'il est pas déjà mort, je lui balance un coup de marteau. Voilà, à chaque étage, hein, tous les 5 tuiles, il y a un bomber pot. Ah bah je crois qu'on l'a eu. Voilà. Sinon on peut faire ça avec on peut faire ça avec l'oméga tireur aussi. Oméga ton après, whip, oméga shoot, plasma mash, oméga shooté, 1, attaque 4000, 7 au carré, weapon 2. Voilà. Plasma oméga shooté, 48, 45. 48, 48. Voilà. Ensuite, le suivant. Métal la DR, métal la DR 40, d'or à métal la DR, métal la DR, métal la DR 40, 30. Donc voilà, si vous essayez de monter par contre tout en haut sur l'échelle avant d'avoir tué le bomber pot qui est tout en haut, vous allez être rejeté. Il y a une force, une sorte d'énergie ou d'électricité qui va vous rejeter quand vous essayez de monter sur l'échelle. Et là, faites attention, faut surtout pas aller tomber à droite parce que sinon c'est une chute mortelle. Métal la DR 40, 35, métal la DR, bon dépôt à 24-30 HP, 100%, bon dépôt à 24-35 HP, 35, 48, 40. Donc à chaque étage, voilà, vous restez sur l'échelle. Voilà, tous les 5 étages, toutes les 5 tuiles, vous dégommez le bomber pot à votre niveau. Avec n'importe quoi que vous ayez, hein, qui tape à distance. Combat au 421 expérience gained. De fait, tête bon dépôt level 80. C'est pas mal. Objet info, mais, warp total warp panel, bon dépôt à 33-30 HP, 100% les métal ladder 30, métal ladder, métal ladder, métal, warp panel à 12 total. Warp, bon dépôt, métal ladder, bon dépôt à 33-30 HP, 100% level 90. 48, 35. Et normalement, il en reste un dernier. Et là, il n'y en a plus. Et maintenant, on va descendre tout en bas avec l'échelle.
48, 1. 45, 0. Et si vous marquez, à droite il y a un mur qu'on peut pas se passer. Alors voilà en fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi on a besoin de l'anneau de récupération? La seule solution c'est de remonter tout en haut de l'échelle, de cesser tomber à droite et d'être ressuscité par l'anneau. On va faire ça tout de suite. Je déconne. Il est vraiment con cette player, hein. Il connaît rien au jeu. Il sait rien du tout. Bien entendu, c'était une blague. Ce qu'il faut faire. Là, ici. Il y a un petit carré sur lequel vous allez pouvoir monter. 1, 15. 1, 19. 1, 25. 1, 35. 1, 38. 1, 45. Voilà, ici. Là vous remarquez, on est un étage en dessous. De tout à l'heure. Tout à l'heure on est arrivé en 50. Donc là il faut choper l'échelle qui est ici. Comme ceci. Voilà. Descendez tout en bas. 45, 6. Ah, je suis à hauteur 6. Ensuite, à nouveau, je vais tout à gauche. Voilà, à nouveau, je monte. 4, 11. 4, 13. 4, 16. 4, 18. 4, 21. 4, 24. 4, 30. Voilà, comme ceci. 7, 40. Là, je suis à hauteur 40. Le but, ça va être d'atteindre le panneau de téléportation qui est en 12-24. Donc, tu utilises... Voilà, pareil, là, je vais prendre l'échelle qui était un petit peu plus à gauche que la précédente. Et cette fois-ci, normalement, je devrais arriver à hauteur 12 ou quelque chose comme ça. Ou 10. 43, 12. Voilà, 12. 38, 12. 30, 12. 20, 12. 16, 12. Objet total warp panel à 12, 24. 14, 12. 10, 12. Et là, moi, il faut, 6, que... 12. Il faut que j'arrive à 12, 24. À hauteur 24. Là, à nouveau, là, je suis tout à gauche. Hop, à nouveau, je lance mon crochet. Et cette fois-ci, je vais arriver. Ça fait un peu comme une spirale, là, la forme. 9, 35. Je suis à 9, 35. 10, 35. Hop, il faut que je prenne encore l'échelle. Attention à pas tomber. Voilà. Et je suis à hauteur 18 cette fois-ci. À nouveau mon crochet. Je vais tout à gauche à chaque fois. À chaque fois, vous faire des ronds. Vous allez tout à gauche, vous utilisez le crochet pour grimper et vous prenez l'échelle, la première échelle qui est à votre droite. 12, 30. Hop là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Il faut que j'aille en 12. 14, 30. 17. À 24. Donc, à mon avis, il y a encore une échelle à prendre. Voilà. Voilà, ici. 34, 24. 19, 24. 14. Et là. Et voilà. Le panneau, cette fois-ci, je suis à droite du mur qui était tout en bas et je suis devant la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Visiblement rien du tout. Sauf que, si j'appuie sur D. Objet info, 0 à 22, 0. 4 à 24, 0.
0 à 20, traduction activée. Disque 0 à 22 0. On a des disques avec des chiffres dessus. Disque 4 à 24 0. Disque 1 à 26 0. Disque 4 à 24, disque 1 à 26 0. Disque 4 à 24, disque 0 à 22, disque 4, disque 1 à 26. Disque 2 à 28 0. 2. Disque 7 à 30 0. 7. Disque 8 à 32 0. 8. Disque 9 à 34. Disque 6 à 36 6. 0. Disque 5 à 38 5. 0. Disque 3 à 40 3. 0. Porte à 100 0. Et tout à droite, on a une porte. Traduction désactivée. Alors surtout, s'il vous plaît, arrivez à ce niveau-là du jeu, ne pensez même pas à rentrer dans une salle silencieuse où vous entendez rien sans faire D pour savoir ce qu'il y a comme objet. Personnellement, j'ai jamais tenté le coup d'aller tout à droite sans toucher au disque et d'aller ouvrir la porte, mais je suis quasiment sûr que ça fait une explosion et que ça nous fait mourir. Et arriver à cet endroit-là du niveau, avec tout ce qu'on, après tout ce qu'on vient de faire, ça sera un petit peu dommage. Alors, ce qui va m'intéresser... Objectif total 0 et 22 0. 4 à 24 0. Je vais me mettre. Objectif total 0 et 22 0. 4 à 1 à 26. 4 à 1 à 26 0. 1, 4 0 et 24 4 1 à 26 0. 4 à 1 à 22 à 28 2, 0. 7 à 30 0. 7, 8 à 32 8, 9 à 9, 6 à 5 à 38 0. 5, 3 à 40 d'or 9, à 0. Voilà, on a, tout, on a les 9 chiffres. Enfin, tous les chiffres qu'il nous faut en tout cas. 17. C'est objectif 0 et 22 0. 19. 0. 20. 0. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Eh ben, ce qui va nous aider, c'est le papier que j'ai ramassé tout à l'heure sur le Mud Killer. Encore une fois, à l'instar du de celui du 22, c'est lui qui nous donne le code pour passer, qui a le papier qui nous intéresse. Astérisque sans titre. Alors. 6, 3, 2, 8, 6, espace, 6, S, 3. Ce qu'il nous faut en premier, c'est le 6. Bocurino des Boucou. Pour ce faire. Oui, pour casse explode triple yo-yo, Megaton Amp, Whip, 1, Omega Shock, Plasma Machine, Soft, Point, Hyper, Snip, Point, Cover, 5. Je vais équiper ça, et je vais taper. Ah, par contre, je crois qu'il a tapé les deux en même temps. Objectif 4 à 22 0, 0 à 24 0, 4 à 22 0. Total op 4 à 22 0. Je vois. Ah non, ça a une trop longue portée et puis il tape deux fois, c'est chiant. Voilà. Ah, faut que je. Non, ça va pas le faire avec ça, il faut que je trouve autre chose. Ouais, bon, casse explosif, triple yo-yo, 1, casse explosif. Surtout pas. Megaton armé, Kéon whip, 1, attaque 250, méga shoté, 1, plasma machine à lune, 1, attaque soft, point machine à lune, hyper sniper rifle, 1, attaque 6000, point cover, 5, super booster blade, 1, attaque 3000, multiplié 11, 80, high jump show, 1, attaque 4, super sniper rifle, 1, attaque 4000, 70, mini shoté, jump show, 1, booster lance, 1, jump show, 1, attaque 50, spam, mini, super sniper, high jump show, super sniper rifle, mini, jump, booster lance, jump, mini, jump show, 1. C'est rigolo, on va utiliser ça, tiens. Donc. Objet total objet 4 à 24 total objet 4 à 21 à 26 0 4 total 4 à 24 0 18 0. Faut que je trouve la, le 6. Objet 1 4 1 à 26 2 à 27 à 30 8 à 30 9 à 6 à 36. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous tapez un, il disparaît, et quand vous avez tapé un deuxième, et ben en fait, ils sont intervertis. Objet 2 7 à 8 à 39 à 6 à 36 0. 6 33. Objet 7 8 à 39 à 6 à 36 33. Bah. Ah, mais non, mais là il rebondit, il bouge, il rebondit tout seul. C'est chiant. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Oui, pour casse explosif, front power 1, triple yo-yo, 1, attaque 6000. Ça surtout pas. Casse explosif, megaton armé, 1, kéon whip, 1, attaque 250, 60 tech requis, 1 méga shoté, 1, attaque 90 tech requis raid, unlimité d'amo capacité, laisse ma machine à gune, 1, soft point machine à gune, hyper sniper rifle, point cutter, 5, super booster blade, high jump show, 1, attaque 80, stamina, super sniper rifle, 1, mini shoté, jump show, 1, booster lance. Jump mid super sniper riff, 1, attaque 4000, mid super sniper riff, 1, high jump show, super mini shoté, jump show, 1, booster lance, 1, jump mid, high jump, super booster, point cap, super booster. Bon, bah, t'es obligé de prendre la lame buster, hein. Objectif 6 à 22 0, total 6 à 22 0, 4 à 24 0, 6 à 24 à 24 0. Là, on a quand même le 6 et le 4, je crois. Ast, 6, 3, 2, 8, 1, 7. Ah non, mais là, par contre, c'est le 3 qu'il va falloir. Vide, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 4, 6, retour chariot, 3. Nouvelle ligne, 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 4, 6, 8, 6, espace, 3. 6 et 3, donc. Bocura. Ah, on va finir par y arriver là. Objectif total, 6 à 22, 0. Total, 6 à 22 et 4 à 24. Là, je vais mettre sur le 4. 19, 0. 22, 23. Objectif 6 à 22, 4 à 24, 0. 6 à 22, 0. 4 à 24, 0. 23, 0. Donc, je vais bouger le 4. Voilà, maintenant.
Objet 1, 6 à 22, total 6, 5 à 24, 0. Non, c'est pas celui-là que je veux, je veux le 3. Objet total 6 à 21 à 26, 0. 2 à 27 à 30, 8 à 32, 9 à 34, 0. 0 à 36, 0. 4 à 33 à 40, 0. On va se mettre en 39. 29, 31, 33, 35, 36, 38, 38, 39. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. On va vérifier. Objet 8, 1, 3, 6, total objet 6 à 22, 0. 3 à 24, voilà, 0. Voilà, 3, ensuite. 1 à 23 à 24, 0. Ast, 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9. C'est le 2. Donc ça va pas, il faut que je me mette. Objet 8 à 9 à 38 à 7 à 23 à 6 à 23 à 21 à 26 0 26, je vais aller me mettre en 25. 32, 30, 20, 28, 26, 25. Ça, ça dégage et il me faut le 2. Objet 6, 3 à 22 à 28 0. Ah bah il est juste là. 25, 27. Voilà. C'est tout bon, maintenant. Objet 3 à 26 à total 6, 3 à 2 à 26, 6. 1 à 28. Ensuite, c'est quoi qui est 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9. 8. Ok, après c'est le 8. Objet 3 à 24, 2 à 26, 0. 1 à 28, 0. 25, 0. 27, 0. Ouais, c'est ça, c'est le 8 qu'il faut. Objet 3 à 24, 6 à 3, 2 à 26, 0. 1 à 28, 0. Donc ça, ça dégage. 27. Le 8 il est où? Objet 1, 3 à 2 à 7 à 30, 0, 8 à 32, 0. 32. 27. 31. Hop! Voilà! Ça c'est bon. Alors! Objet 1, total 6 à 23 à 22 à 28 à 28, 0. As, as, 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 1, le 1. 2 à 28 à 7 à 30, 0. 8 à 28, 0. 7 à 30, 0. Non, c'est le 7, ça me va pas. 25, 0. 28, 29. Je vais voir où est-ce qu'il est. Normalement, là où j'ai mis. 29, 32, 0. 29. Voilà. Donc. Ah ouais, non, c'est super important. Surtout, faites bien des. Ne courez pas à droite et ouvrez la porte sans en croyant que la salle est vide. Là, surtout pas. Objet alors, 8 à 20, total 6 à 3 à 2 à 8 à 20, 1 à 30, 0. Le 1, il est ici. 8 à 20, 1 à 30, 0. C'est tout bon. 7 à 32, 0. Après, c'est le 7. 1 à 30, 0. 7 à 32, 0. 1 à 30, 0. 7 à 32, 0. Astérisque, 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0. Donc là, c'est bon, apparemment. Vie, 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 4. Maintenant, c'est le 9. Objet 8 à 28, total 6, 3 à 2, 8 à 28, 1 à 7 à 30, 9 à 34, 0. Donc là c'est bon. Il a l'air d'être bon. 0 à 34, à 35, à 40, 4, 0 à 36, 0. Ensuite, c'est le 0. 9 à 30, 0 à 36. Et c'est quoi sur le... vide. 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 4, 8, 8. C'est le 5. 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0. Faut que j'intervertisse le 0 et le 5 pour l'instant. 0 à 39, à 34, 0. 0 à 4, à 38, 0 à 39, 0 à 36. 31, 0. 36, 0. 35. Et le 5, il est où? Objet 1, 7 à 32, 9 à 4 à 35 à 40, 0. 35. 39, 0. Voilà. Objet info, 4 on vérifie. 6 à 23 à 2, 8 à 2, 1 à 37 à 32, 0. 9 à 5 à 36, 0. Ça, c'est bon. 4 à 38, 0. 0 à 4, 2 à 100, 0, 4 à 38, 0. Je crois qu'il faut juste que j'intervertisse ces deux derniers. 0 à 40, 0. As, as, 6, 3, 2, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 4, 8, 8, 8. C'est ça. Bokurano, débout, 2 à 100, 0, 4 à 38, 0. 39, 37. Objet 1, 9, 5, 0 à 40, 0. 37, 0. Et... et voilà! Quand vous entendez ça, c'est que c'est tout bon. Et attention! Et messieurs, dames, le 25.3 est terminé!
Ouh, vous imaginez pas la joie que j'ai ressentie la première fois que j'ai fini ce niveau. C'était complètement dingue. Sur ce, on va pouvoir s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu, même s'il y avait des passages un petit peu longs, un petit peu galères, c'était nécessaire, le niveau est vraiment difficile, il est long. Stage 25, select. Qu'est-ce qui nous attend après? 25 à 4, final battle. Traduction 20, 25 à 4, bataille finale. Et ça, bataille finale, ce sera pour la prochaine fois. Et ce sera normalement un double épisode, messieurs, dames. Donc, soit demain, soit après-demain. On va voir. Mais, ce sera un double épisode. Pour clôturer l'aventure. Sur ce, j'espère que malgré, effectivement, comme je disais, malgré le fait que ce soit long à certains endroits, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, vous avez apprécié la vidéo. Moi, il y a des passages, j'ai bien aimé le tourner, hein, c'était un challenge cet épisode, mais c'est des passages qui m'ont un petit peu énervé. Malheureusement, je me suis planté un petit peu au niveau des lames, c'est pas vraiment passé comme je le voulais. Bah tant pis, c'est comme ça. Notamment dans le couloir, faut bien repérer les lames comme ça, mais il y a des endroits où vraiment elles passent très vite, faut vraiment réussir à trouver la bonne frame pour passer vraiment au bon moment. Et c'est pas évident du tout, surtout quand elles vont vite. Si vous avez des speed drinks à cet endroit-là, vous pouvez les utiliser. Il y a même des endroits finalement où je me demande si c'est pas indispensable. Et puis il y a eu l'ascenseur, où il y a un moment j'ai repris les lames parce que je pensais avoir bougé, mais en fait j'avais pas bougé, pourtant dans ma tête, niveau des coordonnées c'était bon. Et puis les dernières là qui sont très proches à éviter, quand il y en a une sur la droite qu'il faut laisser passer et tout de suite se placer pour éviter celle qui est juste au-dessus après, bon c'est là que je me suis foiré. Et puis sinon, il y a le combat contre l'hélico qui était un petit peu fiasco aussi, où je me suis pris pas mal de bombes. Mais bon, dans l'idée c'est ça. Les techniques normalement que j'ai utilisées, c'est à peu près ça qu'il faut faire, c'est juste moi qui ai fait un peu n'importe quoi à certains endroits, qui ai un petit peu raté mon coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude, le négatif, le positif. N'hésitez pas à vous exprimer, soyez juste respectueux, comme d'habitude. Et ne spoilez pas la fin du jeu, que nous allons voir très bientôt. Comme je vous ai dit, soit demain, soit après-demain. Je vais essayer de vous faire ça pour demain. Ça va être le moment pour moi de vous souhaiter bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée... Selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, pour ma part, moi je vais pouvoir me reposer parce que c'était assez intense. Ce niveau, il me fait toujours stresser. Le 25.3, c'est vraiment le plus compliqué du jeu. C'est un niveau qui m'a limite traumatisé quand j'ai fait le jeu la première fois. Maintenant, je suis content de réussir à le faire d'une traite sans crever. C'est déjà pas mal, même si j'ai fait pas mal de gaffe à certains endroits. On n'est pas mort, même si on n'est pas passé loin. Et puis, je vais vous dire à la prochaine pour le dernier double épisode pour clôturer l'aventure. Salut !